أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les rites de la Umrah ainsi que le déroulement de notre voyage. Nous étions actuellement à Médine, nous avons effectué notre dernière prière dans le Masjid al-Nabawi et nous sommes ensuite retournés à l'hôtel pour préparer nos valises et nous préparer pour ce voyage d'une vie et commencer ce périple dès lors qu'on quitte notre hôtel à Médine. Pour les sœurs qui sont intéressées de connaître les rites de la Umrah et de connaître toutes les étapes du Miqat jusqu'à la Kaaba, visionnez la vidéo du début jusqu'à la fin pour tout comprendre parce que je vais tout vous expliquer en détail. Et là, nous allons quitter la ville de Médine pour rejoindre notre prochaine destination qui sera celle du Miqat, Inch'Allah. C'est avec un cœur lourd et beaucoup d'émotion que nous quittons cette ville illuminée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va vraiment beaucoup beaucoup nous manquer de par son ambiance, de par sa spiritualité, de par les bonnes ondes qu'elle peut dégager. Vraiment avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotion que nous allons la quitter pour continuer justement notre périple de ce voyage. En espérant Inch'Allah qu'Allah nous permette encore une autre fois de revenir dans cette ville et de visiter encore une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je vous souhaite à vous également mes sœurs, pouvoir visiter cette ville sainte, cette ville illuminée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de pouvoir accomplir votre Umrah bi-idhnillah. Pendant le chemin, notre guide nous explique justement donc les rites ainsi que les sunnans à faire. On fait une sunna, d'accord, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, nous allons le faire inshallah. Mais il faut savoir que donc ces deux rak'ah ne sont pas, ou cette prière là-bas, n'est pas un rite de la Umrah. Il s'agit de deux unités de prière surérogatoires et sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à prier dans la mosquée du Miqat, juste après les deux unités de salutation de la mosquée. Et bien évidemment, ces deux unités ne font pas partie de la Umrah, mais seulement une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà mes sœurs, nous sommes arrivés au Miqat, donc c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran. C'est un énorme espace, vous trouverez plein de bus, plein de transports qui ramènent justement les pèlerins afin qu'ils puissent rentrer en état de sacralisation et effectuer leur Umrah. Et là mes sœurs, on rentre dans le premier rite, la première étape de la Umrah qui est le fait de rentrer en état de sacralisation. Et donc pour arriver à cet état de sacralisation, il faut obligatoirement passer par le Miqat qui est vraiment le point de départ pour tous les pèlerins. A savoir mes sœurs que lorsqu'on rentre en état de sacralisation, il y a beaucoup de règles à respecter, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Parmi cela, il y a des restrictions et des interdictions auxquelles il faut faire très attention pour ne pas sortir de l'état de sacralisation. Une particularité pour les hommes, c'est qu'ils doivent s'habiller avec les vêtements d'ihram, qui sont deux étoffes blanches, mettre que ça pendant tous les rites de la Umrah. Je vais vous montrer la beauté du Miqat. Et voilà mes sœurs, à quoi ressemble le Miqat de l'intérieur. C'est une énorme mosquée avec plein de toilettes ainsi que des salles d'eau qui permettent à tous les pèlerins et pèlerines donc d'effectuer leurs ablutions. Tout le monde était habillé en blanc pratiquement, c'était très très agréable à voir, vraiment magnifique. Et c'est aussi à ce moment-là mes sœurs qu'on met l'intention pour la Umrah. Lorsqu'il s'est mis en état de sacralisation, il s'est remis en état de sacralisation donc en remontant sur sa monture. Donc nous en l'occurrence notre monture aujourd'hui c'est le bus, donc on applique comme le prophète Mohammed a fait, donc on met la niya dans le bus. Allahumma hadhihi umra la riya'a fiha wa la sum'a. Et c'est à partir de ce moment, mes sœurs, qu'on commence à faire la talbiya, qui est le fait de dire Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk
On essaie de la répéter le plus de fois possible jusqu'à l'arrivée à Mecca et jusqu'à voir la Kaaba. Concernant les interdictions pendant l'état de sacralisation pour la femme, mes sœurs, il ne faut pas se couvrir ni le visage ni les mains, ne rien porter sur la tête que ce soit chapeau ou casquette, pas de lunettes de soleil non plus, pas de déodorant, bien évidemment pas de parfum, de crème hydratante, pas de crème solaire, pas de savon non plus. Et bien sûr, pas d'intimité pour les couples mariés. Nous nous sommes arrêtés afin d'accomplir notre prière du Maghreb et de l'Isha parce qu'on les a regroupés au vu de notre statut de voyageur et par la même occasion pouvoir manger et reprendre notre énergie. Dis, ô mes serviteurs, qui ont commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Pour le trajet Médine-Mecca, on a fait environ entre 5 à 6 heures de route. Pendant tout ce temps, mes sœurs, nous avons multiplié et répété la telbiya. Nous avons commencé à apercevoir la grande horloge et nous avons compris que nous sommes enfin arrivés à Mecca. Comme pour toutes les premières fois, mes sœurs, j'avoue que vraiment, on a du mal à réaliser ce qui nous arrive, que nous sommes là à Mecca, juste incroyable, alhamdoulilah. C'est la ville de la révélation, c'est l'endroit du début de notre religion, c'est le lieu de la maison sacrée d'Allah sur terre. C'est un endroit saint, béni et sacré par Allah. C'est un endroit qui a été fréquenté par beaucoup de prophètes, Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, ainsi que beaucoup, beaucoup d'autres prophètes. Mecca, c'est également la ville qui détient le puits avec l'eau de Zemzem qui est la plus pure du monde entier, qui jaillit depuis des années en continu non-stop. Alhamdoulilah, nous sommes arrivés donc à l'hôtel dans notre chambre. Donc là, on va faire les grandes ablutions. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. On peut également refaire nos ablutions. Si on ne veut pas faire les grandes, on fait les petites ablutions. Mais la meilleure des choses à faire, mes sœurs, ça reste vraiment les grandes ablutions. Et bien évidemment, mes sœurs, donc faire les grandes ablutions sans utiliser de savon ni de shampoing. Faites très attention. Je vous montre la hauteur de l'hôtel, elle était vraiment impressionnante, mes sœurs. Nous étions au 25e étage et on apercevait les choses en bas en miniature. Certes, on ne voyait pas la Kaaba, mais vraiment, nous étions à proximité, vraiment à deux pas du haram. Ça, c'est un interrupteur qui permet d'activer le adhan dans la chambre. Et on peut également régler la puissance sonore. Après l'état de sacralisation puis la telbia, nous avons le troisième rite qui est le tawaf. Pour cela, bien sûr, il faut garder ses ablutions, mes sœurs. C'est très important puisque le tawaf ressemble à la prière. On débute toujours les tours à la pierre noire. Nous allons commencer, bi'idhnillah, à faire 7 tours autour de la Kaaba. Elle est majestueuse. Elle est incroyablement honorable et magnifique. Pendant les tours, il faut faire beaucoup, beaucoup d'invocations. C'est un moment d'acceptation et propice à l'invocation. Quatrième rite, 2 unités de prière après la station Ibrahim. Juste après, on boit l'eau de Zemzem et on n'oublie pas l'invocation. Et ça sera le 5e rite. On attaque le 6e rite qui est le parcours entre As-Safa et Al-Marwa. Et cela en effectuant un aller-retour de 7 fois. Il n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions comme le tawaf, mais il est préférable et recommandé de les avoir. Faire des invocations à chaque monticule, que ce soit à Safa ou à Marwa, et dire comme il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'invoquer avec ses propres invocations Allahu Akbar 3 fois, ensuite dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Et on reprend le parcours de Marwa vers Safa cette fois-ci. Entre Safa et Marwa, un tour. Entre Marwa et Safa, un deuxième. Jusqu'à terminer le 7e tour à Marwa. Et à chaque fois qu'on se dirige vers le mont Safa, on récite le verset « Inna Safa wal Marwata min sha'a'irillah ». C'est dans la sourate 2, verset 158. Et parmi les sunnans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela concerne uniquement les hommes, ils se doivent de courir à la lumière verte.
Après cela, on quitte le haram en faisant l'invocation de la sortie de la mosquée et se rendre à l'autel pour pouvoir sortir de l'état de sacralisation en se coupant une phalange de cheveux pour les femmes et en se rasant le crâne pour les hommes. Le dernier rite pour sortir de l'état de sacralisation est finir sa omra. Et qu'Allah accepte de nous tous.